David, bienvenue chez Ainsi font les fonds. Bonjour. Tu es fondateur et président de Isaïe, un fonds d'entrepreneurs. Ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu de ton parcours afin de savoir comment et pourquoi tu es arrivé à monter Isaïe. Je repars du siècle dernier ou... Non, globalement, je suis ingénieur. Au début, j'ai fait de l'informatique pendant très longtemps dans un groupe qui s'appelle Capgemini. J'ai eu la chance de monter Capgemini Silicon Valley en fin des années 90, de découvrir l'Internet, les startups, les VC, tout ça en Californie de 97 à 99. Et je suis devenu capital risqueur en 99 en disant que c'était plus amusant que le conseiller en informatique. Voilà. J'ai travaillé pour différentes firmes et en 2009, Pierre Kosciusko-Morizet, patron de Pressmeister, savait que j'allais quitter mon employeur précédent, 3i, qui arrêtait d'investir en venture, et m'a proposé de reprendre Isaïe, qui était une initiative naissante. Okay. Et on lui a donné beaucoup plus d'ambition depuis. Et maintenant, on a fêté nos 3 ans il n'y a pas longtemps et on est devenu un acteur un peu significatif, alors qu'en 2009, c'était vraiment une idée. Jean-David, qu'est-ce qui a poussé Kosciusko-Morizet à monter Isaïe? En fait, Pierre, il avait constaté quand il a lancé Pressmeister en 2000 que de 2000 à 2004, il a fait 3 tours de table, il a réuni 60 business angels et qu'il avait passé quasiment tout son temps à lever de l'argent. Par tranche de 20 000 euros, 50 000 euros, etc. Et donc, en fait, l'idée du début d'Isaïe, c'était de dire le premier million, c'est très compliqué à aller chercher. Il faut convaincre 50 personnes de mettre 20 000 euros ou 20 personnes de mettre 50 000 euros. C'est très compliqué. S'il y avait les entrepreneurs se groupaient en faisant un fonds qui pouvait mettre d'un coup un million, il n'y aurait qu'une équipe à convaincre et pas 50 personnes. Et donc, on pourrait permettre aux boîtes de lever le premier million beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est l'idée de départ de Pierre Kosciusko-Morizet. On a été sans doute le premier à industrialiser ce concept et à le rendre vraiment opérant dans un mode, moi j'ai appelé ça micro-VC, c'est un micro-capital risqueur, parce qu'on a un petit fonds, sur le fonds de capital risque, on a 35 millions, donc c'est pas un gros fonds. Mais on agit comme un VC, mais l'argent qui est derrière, c'est l'argent d'entrepreneur. Parlons un peu plus du processus en fait, d'investissement chez vous. Une fois que vous avez une entreprise, vous la trouvez, elle rentre dans votre cible d'investissement, ça se passe comment en fait? Ça dépend. Ça peut être très rapide ou ça peut être très lent. Il y a pas mal de boîtes dans lesquelles on a investi qu'on a rencontré en fait un an, voire plus d'un an avant d'investir. Des gens à qui on a dit, voilà, à l'instant T, vous ne méritez pas, entre guillemets, de lever un million. Par contre, si vous avez ça, à ce moment-là, vous deviendriez un prospect intéressant. Et effectivement, les gens, 6 mois ou 9 mois plus tard, reviennent nous voir. Et puis, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils ont fait ce qu'ils avaient dit, qu'ils ont tenu compte de ce qu'on avait fait remarquer. Et on peut faire le deal un peu plus tard. C'est un bon exemple, c'est StickyAds.tv, qui est une régie publicitaire vidéo, puis une ad exchange vidéo leader en France aujourd'hui. On les a rencontrés, je crois, en 2010. On a fait le deal en 2011. Il y a eu un an entre les deux, quoi. Et vous tenez au courant régulièrement des avancées et Pas forcément régulièrement, mais en tout cas, quand ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, voilà, on a fait ça depuis qu'on s'est vus, tu nous avais dit que ça serait bien que, on l'a fait, on a bien compris ce point-là, et d'ailleurs, c'est important pour nous, et ça a changé un peu la stratégie. Et qu'est-ce que vous faites pour maintenir et accrocher l'entrepreneur et qu'il ait envie de travailler avec vous? En fait, le métier d'investisseur, c'est avant tout un métier d'acheteur. Donc, ça veut dire que c'est plutôt la séduction. Dans un premier temps, très clairement, c'est l'entrepreneur qui essaye avec son projet de séduire l'investisseur. Et puis après, à un moment donné, effectivement, le rapport de force s'inverse, ou en tout cas, le besoin de séduction dans les deux sens intervient. Et la meilleure façon de le faire, en fait, c'est de proposer aux entrepreneurs de rencontrer des entrepreneurs qui ont déjà eu affaire à Isaïe. Parce que vous savez, on est super gentil, on est super bienveillant, on est super stratégique, on est super helpful. On peut le dire, mais les entrepreneurs peuvent ne pas le croire. Par contre, si on leur dit, appelez Fred Mazzella chez Blablacar, ou appelez Fred Play chez Commerce Guys, ou appelez. Voilà. Puis demandez-leur comment ça se passe. Vous verrez si on est des gens fréquentables. La première fois que j'ai rencontré Frédéric Mazzella, c'était avec Nelly, justement. Mmh. Et il racontait à Nelly qu'il avait eu en ligne, justement, un entrepreneur qui était intéressé
de faire partie de l'aventure avec Isaïe, et qu'il ait passé 2 heures au téléphone avec lui pour échanger, lui raconter comment ça se passait. Donc c'est logique que les investisseurs fassent des due diligence, mais les entrepreneurs doivent aussi faire des due diligence sur les investisseurs. Donc cette partie séduction, elle est là. Alors, je dirais, il y a quand même un tournant entre l'avant-investissement et l'après-investissement. L'avant-investissement, on est effectivement dans une relation où on n'est pas marié, entre guillemets. Donc, il y a un petit processus de dating et puis de rencontre et puis machin. Le jour où on a investi, ben, on est associé. Et donc là, naturellement, ben, on se pipote encore moins. On est obligé de se dire les choses. Et là, c'est plus une association qu'une séduction. Comment se modifie la relation depuis la première rencontre qui est un peu plus de séduction et une fois que vous partagez le quotidien et que vous l'aidez? Ça peut bien se terminer. Je prends un exemple un peu différent, mais moi j'ai rencontré Pierre Kosciusko, j'étais investisseur chez 3i, j'étais à son board, j'étais celui qui l'embêtait sur sa customer lifetime value, sur sa stratégie, j'étais sans doute le plus emmerdant des board members de PriceMinister, et aujourd'hui c'est un ami, c'est un associé, etc. Donc cette relation, elle s'est transformée d'une relation purement professionnelle et presque formelle à une relation d'amitié, etc. Donc, ben, la relation entre un investisseur et un entrepreneur, elle va vers ça. Parce que les deux bossent beaucoup. L'entrepreneur et l'investisseur, on croit que les investisseurs ne travaillent pas beaucoup, mais ils travaillent beaucoup. Et les deux sont passionnés par leur métier. Donc à partir du moment où les deux bossent beaucoup et sont passionnés par leur métier, ben forcément, il y a une relation humaine qui se crée, qui est intense. Et quel est le nombre d'interactions régulières justement avec les entrepreneurs? Est-ce qu'on peut le quantifier? Je pense que c'est... très variable dans le temps, parce que quand une entreprise lève de l'argent ou a des difficultés ou doit faire une acquisition ou se fait racheter, ou ben forcément c'est beaucoup plus intense que quand tout va bien et qu'il ne se passe rien de ce type-là. Mais moi je pense que je dois parler par email au CEO des boîtes dans lesquelles je suis investisseur à minima tous les 2 jours. D'accord. Et au téléphone, à minima une fois par semaine. Et c'est souvent, par période, c'est quelquefois beaucoup plus. La première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques conseils pour les entrepreneurs pour éviter ça? Je pense que le fait d'être plein d'assurance, mais que ça soit fin, fin au sens une feinte, est la plus grosse bêtise que puisse faire un entrepreneur quand il approche des investisseurs. Moi, je préfère un gars qui me dit « j'ai des convictions là-dessus, là-dessus, là-dessus. Par contre, j'ai un doute. Je ne sais pas exactement si je ferai comme ci ou comme ça. Je n'ai pas encore pu vérifier, etc. » Qu'un gars qui est partout, il est sûr de lui sur tous les sujets. Il n'y a aucune zone de doute. Son business plan, il va le faire. Le bateau, il va aller tout droit jusqu'à New York. J'y crois jamais et j'investis jamais dans des histoires comme ça. Donc, je crois que feindre l'assurance ou des certitudes, c'est une erreur. Et souvent, l'entrepreneur peut penser que quand il dit ça, il est rassurant pour l'investisseur. En fait, il est inquiétant. Vous vous dites, ce gars est complètement naïf, en fait. Ouais. Voilà. Donc, ou il croit que je suis complètement naïf, donc c'est encore pire. À cacher ses défauts. Voilà. Donc, un entrepreneur, c'est normal qu'il ait des doutes sur son business. Et s'il les partage, il est bien plus convaincant sur sa capacité ensuite à trouver des solutions que s'il ne les partage pas.